Un grand bonjour à tous et à toutes. Et à tous ceux qui sont sur Internet, sur la vidéo, dans les jours qui viennent, et sur le direct aussi. Ce que le Seigneur m'a confié, ça fait déjà plus d'une semaine qu'il m'a confié, et en insistant lourdement, et je le bénis pour ça. Il y a deux temps. Le premier temps, c'est une parole précise, très intéressante, que nous connaissons déjà pratiquement tous. Mais nous avons besoin de l'écouter de nouveau. Le deuxième temps, ce sera une surprise. Le premier temps, c'est Romains, au chapitre 8, au premier verset. Et je ne prendrai que ce verset. Parce que depuis plus d'une semaine déjà, le Seigneur m'a amené à méditer en profondeur tout le chapitre. Ça prend du temps. Et on n'en aura pas beaucoup aujourd'hui pour ça. C'est pas grave. On aura tout le temps, en rentrant à la maison, de reprendre nos Bibles, les ouvrir à Romains 8, à tête reposée, sans être dérangé du tout, en coupant le téléphone. Tout, même la sonnerie de la porte. Mais en étant très attentif. Parce que le Seigneur nous demande d'être hyper attentif, surtout dans les temps que nous vivons. Alors quand j'ai lu simplement le premier verset, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. » C'est juste ce verset-là. Alors j'ai recommencé à relire en méditant bien. Il n'y en apostrophe Y, ça veut dire qu'il n'y en a pas du tout. Il n'y en a pas et il n'y aura jamais plus. Donc, alors ça nous invite aussi, comme l'apôtre Paul fait souvent ce petit mot, donc, ça nous oblige à revenir en arrière dans les premiers chapitres et reméditer l'ensemble du texte. Parce que toute l'épître aux Romains est hyper importante pour tout chrétien et pour tout nouveau chrétien surtout. Parce qu'il y a là tout l'enseignement de l'évangile, en gros et en détail. Donc, maintenant, vous allez me dire bien sûr, maintenant, c'était quand Paul a écrit, en quelle année, je ne sais plus, mais dans le premier siècle de l'Église. Non. Maintenant, c'est aussi aujourd'hui, en 2023. C'est aussi aujourd'hui, dimanche, que ce texte est valable. Et pour toi, pour moi, pour nous tous, absolument. Il n'y a pas une exception. Tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Espère, s'il te plaît. J'ai besoin d'un petit accessoire. Et même deux. Merci. Voilà. Et là, je le prends. J'aime la simplicité, pardon. J'aime la simplicité. Dieu aussi, Jésus encore plus. La simplicité et les images, il aime beaucoup. Dans tout l'évangile, il utilise de nombreuses images pour nous faire comprendre, pour se mettre à notre hauteur. Parce que lui, il peut aller beaucoup plus haut, beaucoup plus loin. Mais nous, nous sommes petits. Et nous avons besoin, pour bien comprendre, d'images précises. Et tout dans l'Ancien Testament est image mise en pratique et en application dans le Nouveau. Alors, quand l'apôtre Paul nous dit « Tous ceux qui sont en Jésus-Christ », qu'est-ce que vous voyez là? La boîte.
Une belle boîte. Et là, une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau. Dans la boîte. Qu'est-ce que vous voyez maintenant? Mais dans la boîte. Toujours la boîte. Dans la boîte. Vous ne voyez pas ce qu'il y a dedans. Vous ne voyez que la boîte. Ce qui veut dire, en fait, cette image que le Seigneur m'a donnée est claire pour moi, en tout cas. Très claire. Ceux qui sont en Jésus-Christ ne doivent pas être vus, ni même entendus. La boîte, c'est Jésus. En Dieu, en Jésus. Je ne vois plus la bouteille, je vois la boîte. Je ne vois plus l'orateur, le prédicateur, le prophète ou qui que ce soit. Je ne vois que Jésus, Dieu qui parle. Ok ? Beaucoup trop, je dis bien trop, et je pèse mes mots, de serviteurs qui ont été choisis par Dieu ont commencé dignement à apporter la parole de Dieu, mais on a vu trop leur nom sur les étiquettes, sur les affiches, beaucoup trop. On ne les voit plus. On ne voit plus celui qui les a envoyés. C'est là un grand dommage, parce que ce n'est pas la volonté du Père. Le Père ne veut pas que nous soyons voyus, que nous soyons vus, mais que lui soit vu à travers nous. Bien sûr, nous avons entendu aussi ce matin qu'il est en nous. Alors imaginez que dans cette grande boîte, j'y mette un projecteur de bonne taille quand même, hein, 500 watts, une super ampoule, et je la mets dedans et je l'allume. Vous en verrez la lumière à travers. Ok. C'est aussi l'image que le Saint-Esprit veut nous donner. Nous autres qui avons la charge d'apporter cette parole, Paul, Monique, Maïjo, moi-même, et quelques autres encore, Bertrand, Samuel, je te vois, et bien d'autres encore, et ceux qui le font aussi dans leur famille, dans leur maison, à leur travail, dans les rues, partout. Nous avons tous la même charge, de refléter uniquement celui qui nous envoie, pas nous-mêmes. Notre nom, on le laisse de côté. Notre image, elle n'est pas parfaite du tout, c'est certain. Alors on la laisse aussi de côté. Mais l'image de celui qui nous a envoyés, avec sa parole, ah là, celle-là, elle est précieuse. Alors pour être bref, je dirais aussi que la deuxième partie de ce que le Seigneur m'a confié, il me l'a confié ce matin à mon réveil. Il m'a dit, ne crains pas, ouvre ta bouche et je la remplirai. Il l'avait dit au prophète Isaïe. Il me le dit encore aujourd'hui et il le dit à chacun de nous. Ne crains pas ceux qui viennent pour te reprendre, pour te critiquer, pour retourner, pour interpréter ce que tu as dit ou ce que tu as fait, ou pour dire, il a dit ça, il a fait ça, stop. Et ce n'est pas ça que j'écoute. Je ne les écoute pas, ceux-là. Parce que je te connais. Je te connais dans ton cœur, au fond de toi. Je sais qui tu es. Et la parole que je t'ai donnée, tu viens et tu l'apportes, comme je te l'ai donnée. Ça dérange ? Tant mieux. Elle est là pour ça. Parce que nous avons tous besoin d'être dérangés. Dans nos conceptions, dans nos habitudes, dans nos compréhensions, dans nos faiblesses. Partout, nous avons besoin de sa voix. Sa parole. Et quand il prend l'apôtre Paul pour apporter ce premier verset de Romains 8, c'est clair, c'est la voix de Dieu que nous entendons, pas celle de l'apôtre Paul, Saul de Tarse. Tout le monde avait la trouille, une super trouille.
parce qu'il l'avait connu avant sa conversion. Et il savait de quoi il était capable. Beaucoup ont eu peur de l'accueillir. Mais quand ils ont entendu la parole de Dieu à travers lui, quand ils ont vu Dieu en lui, ils n'ont pas vu la boîte, ils ont vu ce qui était dedans. Il était devenu transparent. Donc, il n'y a maintenant, aujourd'hui encore, et demain encore plus, aucune condamnation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en avait déjà eu, j'ai eu. Oui, c'est vrai, il y a eu condamnation pour le péché, pour tout ce qui est contraire à la volonté du Père. Il y avait condamnation. Et quand l'apôtre Paul dit, un peu avant et après aussi, que le salaire du péché, c'est la mort. Ouh ! Ça jette un froid dans le dos. Hein. C'est nécessaire. C'est nécessaire ce petit froid dans le dos parce que ça permet d'aller chercher plus loin et de chercher la solution. Parce que la première personne que l'on rencontre dans la parole de Dieu, c'est nous-mêmes. Parce que la parole nous montre qui nous sommes, dans quel état nous sommes. Ça, c'est hyper important. Il n'y a pas plus précieux que la parole de Dieu. Dans Hébreux 5, verset 11, il y a écrit aussi, alors, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, j'ai la conviction que c'est encore l'apôtre Paul qui parle. C'est bien lui qui a écrit. Bien qu'il y ait beaucoup de controverses sur ce sujet, c'est vrai, qu'il n'y a pas de certitude. Mais quand on lit bien et qu'on médite les paroles des Hébreux avec celles des Romains, et les autres épîtres aussi, on reconnaît le style, on reconnaît le personnage. Mais c'est toujours Dieu qui est visible. Dans l'un comme dans l'autre, c'est toujours lui. C'est lui qui prime. Et quand il nous dit, en 5.11, chapitre 5, verset 11, au sujet desquels nous avons beaucoup de choses à dire et qui sont difficiles à expliquer. Et c'est vrai. C'est vrai parce que je le sais aussi par expérience, quand le Seigneur me confie une parole, il me dit attention, c'est moi qui parle. N'ajoute pas trop. Ajoute ton témoignage d'expérience, mais pas plus. Les interprétations, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup et beaucoup trop. Les traductions aussi, des traducteurs ont fait des erreurs assez importantes. Mais Dieu disait déjà dans sa parole, bien avant nous, qu'il y a des choses difficiles à expliquer. Parce que les mots que nous utilisons, notre langage, que ce soit français, anglais ou d'autres langues, peu importe, ne reflètent pas totalement ce que Dieu dit. C'est pour ça qu'on dit souvent aussi que nous avons non seulement le texte, c'est important, c'est la première base, mais il y a aussi le réma, c'est-à-dire l'Esprit vient nous révéler dans sa parole de quoi il s'agit, et là où nous sommes concernés personnellement. Et comme quelqu'un a dit aussi autrefois, dis seulement un mot, Seigneur, et mon serviteur sera guéri. Un mot. Et c'est vrai, là aussi je peux dire par expérience que dans la parole de Dieu, quelquefois je suis bloqué pendant une semaine entière sur un seul mot. Un seul mot qui pour nous a de nombreuses significations, mais qui pour lui n'en a qu'une. Et quand il nous la révèle dans l'esprit, oh, c'est formidable. C'est là qu'on se rend compte que la parole de Dieu, ce n'est pas un livre ordinaire, hein. C'est pas un simple roman ou un bouquin. Non,
C'est loin de tout ça, bien loin. Et quand on sait en plus, quand on étudie cette parole, qu'elle est éternelle. Quand j'ai commencé à la lire, ça remonte à loin, j'ai été hyper surpris de voir à quel point Dieu avait protégé sa parole. Des générations se sont succédées. Et dans ces générations, des adversaires qui ont essayé de la détruire, de la retraduire un petit peu à l'envers, d'essayer de l'interpréter, de l'utiliser. L'adversaire le sait très bien lui aussi, parce qu'il la connaît mieux que nous encore. Mais ils ne sont pas réussis. Parce que Dieu protège sa parole. Et surtout dans le Réma, dans la révélation. Toi qui écoutes, aujourd'hui, ou demain, ou dans les jours suivants, dans toute la francophonie, ça va loin, ça fait beaucoup de monde. Quand tu lis la parole, prends le temps de se concentrer dessus, tranquillement, en paix, sachant d'où elle vient, qui l'a dit, qui l'a donné, et ce qu'elle signifie pour toi. C'est hyper important. Moi, j'ai vécu maintenant 63 années avec Dieu et avec sa parole, et je peux vous dire que je ne pourrais jamais, jamais m'en passer. D'une part parce qu'elle est éternelle, donc je suis tranquille pour l'avenir. Mon avenir, il est là-haut avec lui, en paix. Et là, j'aurai encore du temps pour fouiller ce que je n'ai pas pu voir, parce qu'il faut plus qu'une vie pour tout prendre. Mais il faut une vie pour prendre le mot que Dieu nous donne aujourd'hui. Eh oui. Il n'y a aucune, maintenant, aucune condamnation. Si nous avons en nous, je le dis en tout cas, j'espère que tous vous l'avez, tous et tous et tous et toutes, vous avez cette certitude que la condamnation la croix. Voilà la clé. C'est le moment où Jésus est venu détruire totalement et définitivement toute condamnation en les prenant sur lui. Quand nous avons conscience que Christ est venu prendre notre place, et là aussi c'est une expérience personnelle, le jour de ma conversion, la chose qui m'a fait décoller du fond de la salle de ma chaise où j'étais bien fixé, bien visé, je ne pouvais pas bouger, pour venir juste devant sur le banc de la rencontre, qu'on appelait aussi le banc des pénitents à l'armée du salut, hein, pour venir chercher la prière et chercher Jésus pour le laisser entrer dans ma vie. Ce jour-là, ce qui m'a décollé de ma chaise, c'est quelques mots seulement du prédicateur à l'époque qui a dit: Jésus est mort sur la croix pour toi, pour moi, pour nous. Ouh ! Et j'ai cru voir devant moi la croix avec Jésus dessus. Et j'ai dit: si tu as pris ma place, alors tu dois venir me récupérer, tu dois venir me racheter complètement, me transformer, tout ça, parce que c'est pas possible. Je ne peux pas continuer ma vie sans toi. Sans que tu viennes nettoyer intérieurement tout ce qui a été souillé. Par moi-même, par mon entourage aussi, par beaucoup de choses, beaucoup d'enseignements faux, archi-faux, beaucoup d'influences. Et aujourd'hui, je dis merci, Seigneur. Merci Jésus, parce qu'au cours de toutes ces années, tu m'as toujours bien protégé. Au-delà de ce que je pouvais imaginer, au-delà de tout ce que j'espérais, tu m'as gardé.
et tu m'as dirigé, placé là où tu veux. Et si j'ai une certitude et une tranquillité dans mon cœur, dans toute ma vie, c'est pourquoi je suis ici avec vous. Je sais que je suis là où il a voulu que je sois. Je sais qu'il veut que je sois ici pour vous parler, pour vous apporter ce qu'il me confie. Aujourd'hui, c'est ça, demain, ça sera autre chose. Enfin, demain, on va voir d'autres jours. Et d'autres viendront aussi. Je n'ai pas un planning dans la tête, mais je sais que dans ces prochains temps, déjà mercredi, Karine. Et puis d'autres jours encore, d'autres personnes viendront avec la même mission, la même charge, que le Saint-Esprit leur donnera le mot qu'il faut. Et ce que le Seigneur m'a dit aussi déjà plusieurs fois et qu'il me répète encore aujourd'hui, il est juste à côté là, il souffle. On est comme au théâtre, hein, j'ai besoin d'un souffleur des fois. Ne crains rien. Tout ce que j'ai à dire, je le dirai. C'est reçu, c'est pas reçu, c'est accepté, c'est pas accepté, c'est interprété, ça c'est pas ton problème. Hein. Ton problème c'est d'accomplir la mission que je te confie, d'apporter cette parole. Parce que tu ne peux pas, et tu ne pourras jamais savoir à qui ce mot s'adresse. Quel cœur il va toucher. Mais moi je les connais tous. Individuellement, personnellement, et même avant leur naissance, je les connaissais. Alors je sais ce qui leur est nécessaire. Le mot, le petit mot, la clé, qui peut déclencher une transformation totale dans une vie. Lui, il les connaît. Moi, pas. Moi, je ne sais pas. Je commence, même depuis de nombreuses années que je suis parmi vous, je commence à peine à vous connaître. Petit à petit, le Seigneur me montre. Et vous ne me connaissez pas beaucoup non plus, c'est certain. Mais une chose précieuse, c'est que lui nous connaît bien. Et il sait à qui il parle et par qui il parle. Alors que je sois au milieu de vous ou ailleurs, là où le Seigneur voudra m'emmener, que je ne sois comme cette boîte avec Christ à l'intérieur et qu'on ne me voit plus, moi, ni m'entende, mais qu'on entende sa voix. Parlez à vos cœurs. Que ce ne soit pas votre corps seulement qui est ici, ou votre esprit, ou votre intelligence pour essayer de comprendre, mais que ce soit votre cœur, grand ouvert, prêt à recevoir le mot que Dieu veut vous donner personnellement. Gloire à notre Dieu. Nous n'arrêterons plus de le louer, de l'adorer. Parce que nous ne pouvons plus arrêter. Nous en avons tellement reçu de lui que nous n'avons qu'une chose à faire, c'est de lui rendre la monnaie, comme on dit, hein, par la louange, par l'adoration, par notre comportement, par les paroles que nous apportons autour de nous, pour nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, ça viendra. Tout cela est très important pour nous, mais surtout pour lui. Il a besoin de chacun de nous. Chacun et chacune de nous est appelé, ici ou ailleurs, à accomplir cette même mission de semer. Nous sommes ici à l'église du semeur, donc nous sommes appelés à semer sa parole. Nous avons parmi nous un agriculteur. Il ne pourra pas me contredire si je dis que quand je sème, je m'apprête à récolter, bien sûr. Il faut aussi que je travaille, que j'arrose et que je désherbe. Il y a du boulot. Hein. Mais une chose est sûre, c'est que ce n'est pas moi qui fais pousser. Aucun de nous ne peut faire pousser quoi que ce soit. Il ne peut qu'apporter ce que Dieu donne. La graine, c'est la parole. Semons la parole. Semons-la autour de nous.
ça dérange autour de nous, tant mieux. Parce que quand ça dérange, ça donne envie à la personne dérangée d'aller chercher plus loin, d'aller fouiller soi-même pour essayer de découvrir. C'est vrai ce qu'il a dit ? C'est vrai ce que j'ai entendu ? Il est mort pour moi ? Pour moi aussi ? C'est possible ça ? Oui. Et comme dit encore cette parole dans Luc 1, 37, rien, mais alors rien n'est impossible à Dieu. Alors que ce soit une guérison, une délivrance, un arrangement dans la famille, un retour dans la famille. Toutes ces choses-là, à nous, ça nous paraît monstrueux, impossible. Donc, c'est pas possible. Rien ne lui est impossible. Il peut tout rétablir. Tout. Ça fait beaucoup. Alors, je vous laisse méditer encore. Méditez aussi longtemps que vous pouvez. Consacrez-vous totalement. Un des prochains messages que j'entrevois, à moins que le Seigneur me contredise, ça peut arriver, ce sera le thème de la consécration. Ça va peut-être demander plusieurs messages, un certain temps, mais ça sera très important aussi. Et nous savons, dans toutes nos assemblées, partout à travers le monde, que ce terme de consécration a été galvaudé, oublié, mis de côté, dérangeant peut-être pour beaucoup, dans nos familles, dans nos environnements, dans notre personnalité, dans nos habitudes. Mais si Dieu nous demande de nous consacrer à lui, de rentrer dans la boîte pour que la boîte seule soit vue, ça demande un sacrifice. Qui parle de sacrifice ? Le premier qu'on a parlé, c'est celui qui l'a fait. Et c'est le sien. Il nous a fallu d'être aussi libres aujourd'hui pour annoncer sa parole. Gloire à Jésus. Gloire au Père. Gloire à l'Esprit. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Un seul. Dieu tout entier, dans ta vie, dans ta vie, dans ta vie, partout où tu es. Continue ta vie entière, mais commence aujourd'hui avec lui, en lui et lui en toi. C'est possible, c'est tout à fait possible. La preuve, nous sommes là. Merci Seigneur. Tu fais les choses tellement bien, tellement simplement. Et tu te sers de chacun de nous, malgré nos faiblesses, nos ignorances, nos incrédulités aussi quelquefois. Mais tu le fais si bien. Et tu te sers de chacun et chacune de nous pour apporter le mot qu'il faut à la personne qui en a le plus besoin. Quel qu'il soit, le plus simple d'entre nous, aidez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Ce sont des paroles de l'Évangile que nous connaissons tous bien. Et nous savons que Jésus avait bien raison de les faire sortir, ces paroles. Parce que s'aimer, c'est hyper important. Et ce n'est pas si facile que ça, pas toujours. Supportez-vous les uns les autres. Il savait ce qu'il disait, parce qu'il sait que certains d'entre nous ne sont pas très supportables. Moi, le premier, je ne suis pas toujours supportable pour tout le monde. Il ne faut pas croire. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci pour ton action dans nos vies. Merci pour tout ce que tu nous as donné. Tu nous as donné de nombreuses années à vivre ici, sur cette terre, et apporter ta parole, c'est-à-dire ta vie, ta personne, ta présence. Viens Seigneur, coule maintenant dans les cœurs. Ceux que tu connais, tu les connais très bien.
bien, cool dans leur vie. Et que ta vie, mon ami, mon frère, ma sœur, soit maintenant remplie, d'un rempli à déborder, et plus encore, de Jésus. Rien que de Jésus. Alléluia. Merci pour ce message.